Remis de la poésie, bonsoir. Il se fait tard, on va aller au but. J'ai fait mes offres de free agency. La nouvelle façon dont la free agency est gérée est assez, assez bizarre en fait. Il y a trois évaluations en période. En fait, c'est comme s'il y avait trois phases pour avancer en une étape de free agency, en un stay. Pour un stage, il y a trois évaluations en période. Voilà, on va utiliser les mots du. On va essayer de traduire avec du. Des mots qui veulent réduire. Donc, il y a des stages de FA, là, on a un stage 1 sur 3. Il y a trois évaluations sur lesquelles l'admin doit avancer à chaque fois. Et nous, on a ciblé 5 joueurs. Alors, principalement en défense, hein. X, l'ancien des Bears. And, qui a été un joueur de Détroit, qu'on ne sait pas pourquoi il est parti. Ed Boone, un linebacker exceptionnel. Et un très bon corner qui vient des Chargers. Et Fox qu'on a repris, qui était notre punter. Bon, mais donc on va avancer. Et à mon avis, normalement, en avançant, ces 5 joueurs doivent nous rejoindre. Et alors, le gros changement aussi, c'est qu'on est limité dans le nombre d'offres qu'on peut placer. J'ai pu en placer que 5. Et ça, c'est pas mal pour les ligues online. Je pense que ça va changer quand même. Hein. Pas mal les choses. Voilà, on a le College Pro Day Results. Alors j'ai commencé à préparer ma draft aussi. Alors lui, ça veut pas du tout dire qu'il est en même. J'ai juste fait une shortlist, je n'ai pas classé encore. Mais il y a beaucoup de déchets hein, dans les rookies. J'ai vu par exemple un corner, il n'y avait pas de corner. Un corner, on va aller voir les corners. Donc j'ai utilisé des rookies à part défaut hein, de Madden. T'as besoin de corner là, t'es content que tu sois dans une ligue offline et que les mecs ils re-signent pas tous leurs corners parce que c'est de la merde quoi les corners qu'il y a quoi. Hein, tu prends un mec comme lui, D en zone coverage quoi. F en zone coverage quoi. F c'est qu'il est 50 quoi. D c'est qu'il doit avoir un petit 60 quoi. Donc c'est chaud quoi, il n'y a pas des bons corners. Des bons corners, il n'y en a pas. J'ai pas vu des grosses lignes défensives aussi, des mecs vraiment. Il y en a quelques-uns qui sont sympas, mais. Enfin, donc là moi j'ai pris deux joueurs de ligne. J'ai hésité à faire une offre sur un safety. Mais j'ai pas fait. J'ai pas voulu faire un tapis sur le cap. On va regarder ce qui reste en fait. Donc normalement moi j'ai signé mes 5 joueurs. Voilà. Et après, qu'est-ce qui reste en fait? Non, qu'est-ce qui reste? Un safety. Ouais, du coup Peppers il est parti quoi. Ouais, Peppers. C'est San Francisco qui l'a pris. Il y avait des bons safety à choper. Hein. Il y avait lui, mais il aurait coûté trop cher, il part aux Eagles. Et lui qui était bon, très très bon aussi, qui part aux Falcons. Et tous les top free agents, ils sont partis au premier. Au premier G. William Grady vient à Chicago. Pour le jouer deux fois par an, on sera content. Donc ça fait que notre roster, c'est. Enrichi de 5 joueurs. Parce que là, on est pauvre en joueurs. Hein. Pas beaucoup de joueurs. Hein. Donc là, il faut qu'on signe de la deft. Hein. Voilà, en fait, pourquoi on n'a pas mis. Pourquoi on n'a pas fait tapis pour un safety? Parce qu'on voulait du cap pour signer des joueurs en deft. Quoi. Tout simplement, quoi. Mais. Là, faudrait bien qu'on prenne un joueur, même si j'aime pas prendre des vétérans en ligne. Hein. Faut revenir. Donc lui, notre ami Adam X. Chez nous, il va jouer en DT. Notre ami Deshaun Hand, qui est un run stopper, il va passer à droite.
côté des Run Stoppers. Ouais, 90. Voilà. Voilà. Teshkarnan qui revient à Détroit, ça fait plaisir, on ne sait pas pourquoi il est parti, quoi. Bon joueur. Donc, X, McNeil, Gotel, ouais, Gotel, ça vaut rien. Maintenant, il nous faudrait du pass. Il nous faudrait du pass rushing DD. Et après, de la deft, quoi. De la deft, donc on a pris Edmonds, Alain Baker, à la limite, on est bon maintenant. Parce qu'on veut bien drafter un ou deux, quoi, donc pour faire deft. Donc on n'est pas à poil. Corner, on a nos trois starters. On va peut-être en prendre un vétéran s'il y a vraiment que de la merde. Je pense qu'on va prendre un vétéran corner. Puis il va falloir prendre un safety vétéran aussi. Ah, et puis on a récupéré notre punter quand même, merde, faut le dire. Avec niveau kicker, on n'est pas trop à la fête aussi. Donc voilà, donc on va travailler ça.